Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour 3 minutes pour XP Psychou. Là on se retrouve du coup sur le tournoi où on affronte Louise 20. On vient de lui enlever son couteau, ça c'est cool. Ah le petit coup de saï qui fait plaisir. Et yes, on l'a tué, c'est ça qu'on veut. Voilà, nickel. Combat suivant. Voir le combat, let's go. Psychou versus Greff. Allez. Ouh, il vient de tuer notre chien. Ça, ça fait mal, ça fait mal. Ah, il a aussi un petit chien qui nous attaque. Allez, on sort le ça. Yes, on lui dégomme son épée, ça c'est cool. Yes, allez. Ouh, on lui a fait mal. Ouh, le prochain coup de hache va faire très mal. S'il nous en met un, on est mort. On l'a tué, on l'a défoncé. Yes, ça, ça fait plaisir. Tac. Allez, prochain combat, on est en demi-finale là. Demi-finale. Disciple de Roger IX, c'est parti, prépare-toi à la baston. Allez, peut-être la finale, on est aux portes de la finale là. On a perdu 0 points de vie pour l'instant. Ouh, il vient de dégommer notre chien. Allez, vas-y, allez Psychou, tu peux le faire. Oh là là, quel début de vidéo. Oh oui, putain, il a énormément de vie hein. Allez, vas-y, allez, achève-le, tu peux le faire. Allez Psychou. On est en finale. C'est bon ça. C'est très 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 bon. Oh, il est niveau 14. Allez, allez, on peut le faire. C'est parti. Let's go. Ouh, déjà, on dégomme son chien. Ça, c'est cool. Punaise, on est en finale. Ouh. Ouh, il vient de nous faire très mal. Il a un bouclier, une hache. Yes, on a esquivé son coup. Il vient de tuer notre petit chien, non? Allez, vas-y, Psychou, dégomme-le. Allez. Oh merde. Putain, on est mort. Bah, franchement, c'était un très très beau combat. On était en finale. Ça, c'est super. C'est canon. Franchement, c'est trop bien. Trop trop bien. Allez, la prochaine fois, ce sera pour nous. On va décrocher cette victoire et passer en supérieur. J'ai un petit peu XP entre temps, il est vrai. Et nous sommes niveau 12. Vous, qu'est-ce que vous choisiriez? Dites-le dans les commentaires, également dans le sondage qui s'affiche en haut à droite. On a le choix entre un bâton en arme ou alors plus 3 en endurance. Pour moi, le choix est très très vite fait. Je choisis les plus 3 en endurance. Si vous avez vu les épisodes précédents, ça fait longtemps, même ça fait longtemps que je me plains qu'on n'a pas assez de vie. Et là, on a l'occasion d'en avoir plus. On était à 62-64 points de vie, je crois. Avec nos 3 d'endurance, qu'est-ce que ça donne? On a 84 points de vie, c'est beaucoup mieux. Ça franchement ça fait plaisir. Bon, il nous reste 18 points d'expérience avant d'arriver au prochain niveau. Mais niveau 12 avec plus de points de vie, je pense qu'il y a moyen qu'on gagne le prochain tournoi, ce serait cool. C'est parti, on lance la bougie. Premier combat contre une fille, Tenta Brut 19, qui est très très agile. C'est parti, donc elle est niveau 12 aussi. On rentre dans la catégorie poids lourd, là ça fait très très plaisir, elle est à 16 d'agilité, c'est énorme. On lui balance le couteau dans la gueule, ça fait plaisir. Oh elle a des shurikens, ça c'est cool, on n'a jamais pu les voir en action. Alors moi aussi je les ai vus mais il y a quelques années, hein, ça remonte. Et franchement c'est stylé quand même, parce qu'elle peut, elle en balance plein en fait et c'est assez dur à esquiver, bah vous voyez. Ouh là 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 là, ça pique. Oh, c'est peut-être même ça qui va nous tuer. Aïe aïe aïe, caramba. Pourtant on est quand même agile hein. Et non, elle nous a tué. Première défaite, bon c'est pas grave, on continue. Allez hop, on se dépêche. On a que 3 minutes pour s'entraîner au maximum. Oh, on va affronter lui mais direct. Tenta Brut. Ah, oh, c'est encore la crème. Une brute de la crème, donc on vient d'affronter pareil une de ces brutes juste avant. Et cette brute là, vous avez vu, je sais pas si vous avez fait attention mais elle a 3 de force, 3 d'agilité et 30 de rapidité. J'ai jamais vu ça. Pour un niveau 12, c'est incroyable. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, apparemment, elle est très rapide. Pour l'instant, on ne le voit pas tant que ça. On a un chien aussi qui nous permet d'équilibrer un peu plus les choses, peut-être. Ouh, la bombe, elle fait mal. Bah, elle a tué notre chien. Yes. Bah, ça, c'est cool. On lui dégage son arme. Ah, et puis, elle nous fait pas beaucoup de dégâts, du coup. Hein. Ah, par contre, on voit aussi. Là, au prochain coup, on est mort. Yes! Ça fait plaisir.
J'étais pas sûr qu'on le mette, mais si, on a réussi à mettre le dernier coup et à la mettre KO. Ça fait très 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 plaisir. Allez, on se lance un dernier combat là, ou peut-être un avant-dernier combat, je sais pas où on est rendu au niveau de la bougie. Ouais. Bon, un dernier. Ce combat là, c'est sûr, on peut le faire. Et on va éviter d'affronter une brute qu'on a, voilà, de la crème. On va affronter elle qui est un peu plus équilibrée. 13 de force, 10 d'agilité et 10 de rapidité. C'est parti. C'est peut-être un des derniers épisodes, voire l'avant-dernier de cette mini-saison là qui va nous permettre de passer rang supérieur. Peut-être qu'au prochain épisode, on verra les résultats du tournoi et on sera rang supérieur. Donc dans ce cas-là, je pense qu'on clôturera, on fera une petite pause avec Psychou, qu'on reverra peut-être dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'approche de plus en plus de la fin et ça fait grave plaisir. Vous avez vu ce qu'elle nous a mis? Bon, on l'a défoncé, donc tant mieux. Mais waouh, elle est ultra violente. Allez, est-ce qu'on attend pour un dernier combat? Allez, on se dépêche. Allez, vas-y, 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 vas-y. Non. C'est lancé. Le combat est lancé. Psycho contre FTR 777. Elle a un loup. C'est trop stylé. On n'a jamais vu de loup. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh, les loups, c'est trop bien. C'est des créatures qui sont assez rapides, qui font un peu plus mal que le chien quand même. Contrairement à l'ours qui va être un animal qui va avoir beaucoup de vie et beaucoup de force. Et par contre qui va être beaucoup plus lent. Mais le loup, vous voyez ce qu'il nous met? Il est ultra rapide. Et il défonce tout. Bah, la preuve là, on... même avec nos 3 d'endurance qu'on a chopé en début d'épisode, on pouvait rien faire du tout. Ouais, vous l'avez vu, hein, les 3 minutes se sont écoulées bien entendu à peu près au début du combat. Voilà, la bougie s'est éteinte. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir Psychou dans les commentaires, à répondre au sondage aussi. Peut-être que vous auriez choisi le bâton à ma place. Et moi, je vous dis à bientôt pour un des derniers épisodes de 3 minutes pour XP Psychou. Allez, salut !